Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Demon's Bookie. Bon, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait ça. Très clairement, ça doit faire 6 mois pour vous, un peu moins pour moi, parce que j'ai fait des vidéos entre temps, mais j'ai pas pu vous les poster. Bref, c'était très compliqué. Mais ouais, ça faisait longtemps, ça me manquait énormément, donc je suis très heureuse de reprendre les vidéos. Donc je vous dois donc une explication quand même, je pense, parce que, enfin, 6 mois comme ça, sans rien dire, c'est étrange. Même si, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant, en fait, à peu près de mes péripéties, on va dire. Donc l'été dernier, j'avais un job étudiant pour les vacances, comme beaucoup de personnes, en fait, beaucoup d'étudiants. Mais en parallèle de ça, en fait, j'avais un stage, voilà. Donc en fait, ce qui faisait que pendant 2 mois, même un peu plus, que je bossais déjà avant, j'avais donc mon stage en plus, ce qui faisait qu'en fait mes jours de congé, je les passais pour mon stage. À chaque fois que j'avais un moment de libre, c'était pour mon stage. Je travaillais tout le temps, vraiment tout le temps. Ça a été comme ça pendant un peu plus de 2 mois, enfin jusqu'à début septembre. Donc c'était, j'ai eu un été très chargé, très productif franchement et très bénéfique. J'ai appris énormément de choses, mais c'est vrai que du coup j'ai été obligée de, comment dire, de faire des concessions, de mettre des choses un peu de côté, et la lecture en a fait partie, les vidéos aussi. Ah, attention, la lecture, j'ai continué de lire bien sûr, mais j'ai lu beaucoup moins que j'ai pu lire les mois d'avant. Faudrait que je re-regarde, mais j'ai pas dû lire plus de... Enfin, j'ai lu moins de 10 livres, c'est sûr, mais je sais même pas si j'ai dépassé les 5 livres. La plupart du temps, même certains mois, j'ai pas dépassé les 1 ou 2 livres par mois, ce qui est très très peu. Compte tenu de ma vitesse de lecture moyenne et du fait que je lis en fait tout le temps, donc pour vous dire que j'ai vraiment pas avancé pendant cette période-là. Et donc, j'ai terminé le travail et le stage début septembre. À la suite de ça, j'ai repris mes études puisque c'était la rentrée, et là on est parti dans un cercle infernal, on va dire. J'arrivais plus du tout à gérer. C'est-à-dire que, alors déjà cet été avec le boulot, le stage, j'arrivais pas du tout. Enfin, j'étais très organisée, mais pour ça, je pouvais pas faire autre chose à côté, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, quand j'ai repris les cours, je me suis dit déjà, de toute façon les vidéos, j'étais déjà entre guillemets en retard, ça faisait déjà un moment que j'avais pas posté. Je me suis dit déjà, prends un bon rythme au niveau des cours, au niveau des révisions, de ton organisation, et ensuite rajoute les vidéos pour du coup avancer au maximum et reprendre un rythme qui me plaisait, parce que faut pas croire, mais les vidéos c'est un truc que j'adore faire. J'adore aussi poster sur Insta, sur Facebook, et là j'avais plus du tout la possibilité de le faire avant. Donc je me suis dit, à la rentrée, on repart de zéro, vraiment, on repart sur de bonnes bases, et il faut vraiment que je me mette du coup à reprendre une bonne organisation et à reprendre ce que j'aime faire en fait. Sauf que les premières semaines, j'avoue que j'ai pas pris un bon rythme du tout. C'est-à-dire que la première et la deuxième semaine à peu près, je dirais, j'ai peut-être un peu trop profité de la rentrée. J'ai pas vraiment avancé dans mes cours. Ce qui fait qu'en fait, l'organisation de base avait pris pas un mauvais virage, mais c'était pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que derrière, en fait, je me suis réveillée, vraiment. J'ai eu une semaine après où j'ai carburé au niveau des cours. J'ai rattrapé ce que je devais rattraper parce qu'il y avait des choses que je devais rattraper. J'ai bossé les cours. Enfin bref, j'étais fière de moi, vraiment. Et à la fin de cette semaine-là, je suis tombée malade. Voilà, donc on va dire que j'ai enchaîné tout ce qu'il fallait comme il fallait. Donc je suis tombée malade, et en fait pendant 3 semaines, à peu près, un peu plus de 3 semaines, j'ai été très très malade. Enfin rien de grave, hein, très clairement, hein, j'ai juste enchaîné bronchite, bronchiolite, enfin bronchite et bronchiolite, c'est la même chose. Mais je sais plus, rhinopharyngite, angine, bref, j'avais la totale. Et donc suite à ça, j'ai manqué des cours, forcément, donc j'ai encore dû rattraper tout ça. Sont arrivées les vacances de la Toussaint, durant lesquelles nous avons une semaine de vacances. Et j'ai tourné des vidéos, en faisant à peu près les mêmes types de vidéos que je fais là devant vous, c'est-à-dire j'ai fait « Je suis désolée, je sais que je suis en retard, mais ça va reprendre, je suis en vacances, donc je vais pouvoir filmer. » Non. J'ai filmé, mais en fait j'ai pas eu le temps de monter. C'était, voilà. J'ai repris le rythme en fait des cours, et j'ai dû reprendre un rythme soutenu. En parallèle de ça, j'aidais aussi mon ancienne responsable de stage, parce qu'elle n'arrivait pas trop à gérer la communication, tout ça, parce qu'elle lançait son entreprise et du coup elle n'arrivait pas à s'occuper de tout, donc je l'ai aidée. Et j'avoue que j'ai pas du tout le temps, entre les dossiers, les examens et tout, je n'avais pas le temps de monter de vidéos, j'étais très prise et j'ai vraiment pas eu le temps. Arrivé au mois de décembre, j'ai fait bon, tout ce qui était prévu pour le mois de décembre, les vidéos qu'on faisait tourner au mois d'octobre et qui ne sont toujours pas montées, je fais, ça sert à rien, je vais pas me lancer dans un truc comme ça maintenant, donc
Il faut que je reprenne, entre guillemets, de bonnes bases. J'avais mes partiels au début du mois de janvier, donc j'ai passé les vacances de Noël à réviser, tout simplement. Et donc là, j'ai fini mes partiels, je vais bientôt commencer un nouveau semestre, mais, je vais reprendre de bonnes bases, sûres et certaines, puisque du coup j'ai trouvé une organisation qui devrait normalement convenir. Surtout que j'ai moins de cours qu'au semestre d'avant, donc logiquement, ça devrait être plus léger, et je vais enfin pouvoir tourner et faire ce que j'ai envie. Donc, normalement, ça devrait revenir correctement. Donc par contre, je sais pas trop comment je vais sortir les vidéos, mais en tout cas, je vais les reprendre, c'est sûr. Alors, du coup, cette vidéo, pourquoi ? Qui va être très courte, puisqu'on va bientôt s'arrêter. C'est juste pour vous dire que voilà, j'étais prise dans un rythme en fait qui était très compliqué à suivre sur beaucoup de points, parce que du coup, j'arrivais, enfin, c'était l'effet un peu boule de neige. Et à la fin, les vidéos ont carrément sauté. C'était clairement quelque chose qui m'énervait parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais voilà, il y a des priorités dans la vie, les études, le boulot, la santé aussi, parce qu'il faut quand même se reposer. Quand on a un rythme un peu soutenu comme ça, il faut se reposer, c'est important. Donc du coup, derrière, j'étais obligée de faire des concessions. Et les concessions, c'était les vidéos, malheureusement. Même si je me suis mise à TikTok, que du coup vous pouvez voir des vidéos sur TikTok et que vous en avez eu pendant la période où moi j'étais pas du coup sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que je suis désolée pour cette absence, que ça me manquait énormément et que j'ai hâte de revenir pour de prochaines vidéos. Je profite du coup de cette vidéo pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, donc de la sortie de cette vidéo, il y aura pour une semaine, et juste pendant une semaine, une vidéo par jour. Vous aurez demain la rétrospective de mon année 2021, alors je pense que ce sera aussi une vidéo très courte. Mais vous allez aussi trouver une vidéo que j'ai tournée du coup avant, en 2021 en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais tourné une vidéo de rangement de bibliothèque que je n'ai pas eu le temps de monter, que j'ai faite au mois de décembre, donc ça va. C'est pas si en retard que ça, mais du coup je vais quand même vous montrer ça. Vous la verrez là mercredi et vous aurez donc d'autres vidéos cette semaine. Pendant une semaine en tout cas, je vais essayer de rattraper. On va dire que ce sera des vidéos sur 2021 pour bien commencer 2022 juste après. Donc je veux revenir, je l'espère, avec une vidéo par semaine. Nous verrons si j'arrive à tenir, mais en tout cas je vais me laisser porter, on va dire. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur la chaîne. Ouh.